devoir de me préparer. Je me suis levée, j'ai fait une séance de sport assez courte. Je viens de prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Me préparer. Je me suis pas encore séché les cheveux. Je vais aller prendre mon petit déj parce que j'ai trop faim. J'ai le ventre qui gargouille. Je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi dans un petit vlog sur un ou deux jours, je sais pas trop, ça dépend un peu de ce que j'aurais filmé pour avoir un vlog qui est pas trop court quand même. J'ai rien de spécial de prévu, enfin on n'a pas spécialement de sortie ou de resto de prévu là ces deux jours, mais je vous embarque vraiment dans mon petit quotidien. Et je pensais notamment vous faire un peu une journée dans mon assiette en vous montrant là du petit déj au dîner ce que je mange, parce que je sais que ça vous intéresse, que vous me posez souvent des questions à ce sujet-là. Donc on va commencer par le petit déjeuner, là je vous embarque avec moi. Donc pour le petit déjeuner, je m'étais préparé un chia pudding que j'ai préparé hier soir, vous devez le voir dans le fond là. Et là ce matin j'ai ajouté une demi-pêche blanche, des framboises et du beurre de cacahuète. Et un thé à côté. Je rentre des courses, j'ai été au hall puis chez Monop, là direction la maison. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas trop sorti, enfin même pas du tout ma caméra. Quand j'étais au hall, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et puis je vous montrerai ce que je vais préparer pour le déj et puis ce soir, en espérant que ça vous donne des petites idées. Et j'ai craqué d'ailleurs chez Monop, j'ai acheté une tablette de chocolat qui a juste l'air incroyable, j'ai hésité mais elle a l'air ouf, je vous montrerai au moment du dessert. Incroyable. Bon, je filmerai demain, enfin je continuerai demain ce vlog. J'étais sur mon ordi toute l'après-midi en fait, rien d'intéressant. Je suis pas ressortie vu que ce matin j'étais sortie faire les courses, etc. Et là c'est même Romain qui est en train de... Enfin même... Il le fait souvent, mais en fait, je voulais préparer le dîner pour que je vous montre un peu ce qu'on allait manger, etc. Mais là, c'est lui qui est en train de s'en occuper parce que je suis en train de finir un truc. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on dîne ce soir. Et puis, je vous retrouverai, je pense, demain matin pour la suite de ce vlog et vous rembarquer un peu dans une autre journée dans mon assiette. Ça vous permettra un peu de... Désolée, il y a du bruit, de comparer, de voir la différence un peu entre deux journées, voir que c'est pas toujours pareil, que parfois on improvise un peu, etc. Voilà, je viens d'ailleurs de vous poster du coup sur Instagram une IGTV d'une recette de wrap healthy, que vous pouvez d'ailleurs tout à fait, enfin c'est avec des crevettes, mais vous pouvez d'ailleurs tout à fait l'adapter et ne pas mettre de crevettes si vous êtes végétarien ou végétarienne. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs je poste très souvent des petites vidéos ou des photos ou des recettes. Je vous avais pas montré mon look du jour du coup. J'ai mis cette petite blouse en lin de chez Zara mais qui est d'une ancienne collection. Ce short de chez Opulence que j'ai acheté au printemps. Je l'aime trop, il est trop beau, vous voyez pas bien mais il y a des dorures un peu dedans. Et il est lilas et pêche. J'aime trop ce short, les détails et tout. Il est trop beau. J'ai fait une séance d'une petite demi-heure. C'est jamais plus de 30 minutes mes séances, c'est en général entre 20 et 30 minutes. C'est le bon rythme que j'ai trouvé qui me permet de m'y tenir sans perdre trop de temps dans la matinée, sans que ce soit trop hard physiquement. Du coup, c'est vrai qu'en général, je vais me doucher, etc. Puis je petit-déj après. Là, ce matin, je vais d'abord petit-déj parce qu'après, j'ai un reel à tourner pour Payot. Donc, je préfère avoir plus de lumière et le faire au moment où je me prépare vraiment, etc. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ce que je vais me faire pour le petit-déjeuner ce matin. Et donc ce matin, j'ai mis du granola de chez Kazidomi avec une demi-pêche blanche, une figue, du beurre d'amande coco aussi de chez Kazidomi et du lait de coco aussi de chez Kazidomi. Voilà, et ça c'est le temps de merde d'ici que la météo annoncée au Pays Basque, qui fait un temps de ouf. J'ai tourné 2 vidéos ce matin. D'ailleurs, c'est le bordel photo que je range à ma caméra de sortie. J'ai tourné une vidéo maquillage. À voir ce que ça donne, mais ce sera un petit reel en accéléré de ce maquillage nude qui fait très très marié, je trouve. C'est le type de maquillage que j'aime bien faire. Les quelques fois où j'ai maquillé des mariés, enfin des connaissances du coup à chaque fois. Du coup je vais ranger tout ça, finir de bosser un peu et après j'ai préparé le déj, je vais vous montrer ce qu'on mange à ce midi. Et du coup au passage mon petit look du jour, j'ai mis la robe Jeanne Mil que vous avez déjà vu plein de fois, je l'adore. Les détails sont trop beaux. J'ai mis une grosse ceinture de chez Cézanne en cuir un peu effet croco comme ça. Pour l'instant j'ai pas de chaussures mais je pense que je vais pouvoir me mettre en nu-pied parce qu'il fait beau. Et j'ai mis ces petites boucles d'oreilles de chez Atelier Margot Toussaint, ma copine qui a lancé sa marque de bijoux, qui les crée elle-même d'ailleurs. Hein. Tout est fait main à partir de végétaux, c'est canon. Et je suis pas encore coiffée, je me suis fait une espèce de chignon le temps de me maquiller, mais je vais me coiffer après. Ce midi, j'ai donc fait cuire des pâtes qui sont à la farine de quinoa que j'ai acheté sur le site de Caisse de Mie. J'ai fait rôtir des tomates cerises avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel, pardon, la burrata, des pignons de pain, du basilic frais et de la mâche à côté. Je clôture ce petit vlog ici pour avoir le temps de terminer le montage et vous poster la vidéo à 18 h sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce format de petit vlog, même si je fais rien de spécial, vous plaît quand même. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et sinon continuez sur Instagram.